Caroline Cailleux. J'ai été 21 ans maire de Beauvais dans l'Oise et j'ai présidé l'Agence de cohésion des territoires et l'association Ville de France. Je suis aujourd'hui très honorée d'être ministre déléguée auprès des collectivités, déléguée auprès de Christophe Béchu et déléguée auprès du ministre de l'Intérieur dans un esprit de cohésion des territoires. Il était intéressant pour moi de pouvoir échanger avec des élus locaux, mais sur les urgences qui les concernent pour les années à venir. Et puis c'était aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre grâce à nos partenaires, dont la Banque des Territoires, comme le dispositif Cœur de Ville et les dispositifs Petite Ville de Demain, qui montrent le lien entre les métropoles, les villes moyennes et les petites villes, et qui sont, ce lien est une des conditions de la réussite des territoires. La vision que nous avons des territoires en 2030, nous la travaillons déjà depuis 2017 avec France 2030, avec le plan de relance, même si aujourd'hui des sujets plus urgents sont à traiter à cause de l'inflation, à cause de la crise énergétique, à cause aussi de la crise géopolitique. Donc nous allons être obligés d'avoir comme fil rouge dans l'animation des territoires la transition écologique, les économies d'énergie et un autre problème qui est la désertification médicale. Donc là, ce sont des urgences à régler en termes d'aménagement du territoire. Pour améliorer cette trajectoire d'ici 2030, il y a deux facteurs. Il y a à la fois la confiance et l'action de l'État. La confiance parce que il est important aujourd'hui que nous entrions dans une nouvelle ère de participation et de dialogue avec l'État. Il faut que les projets soient ceux qui remontent des territoires et non plus des appels à projets que les territoires ont du mal à réaliser, souvent faute d'ingénierie. Donc ça, c'est important. Et une nouvelle action, une nouvelle conception de l'action publique, à savoir un État accompagnateur et non pas un État prescripteur. Il faut décentraliser l'action de l'État. Chaque territoire peut avoir des actions spécifiques. Il faut s'appuyer sur la loi 3D qui a été portée par Jacqueline Gourault et qui permet de personnaliser les projets, de les adapter au territoire et de les rendre plus précis.